Connaître sa vitesse en plein chou, la faire évaluer et surtout apprendre à la maîtriser alors que les vacances ne sont pas encore terminées. Le X-Speed Ski Tour faisait étape à l'Alpe d'Huez il y a quelques jours. Plus vite que d'autres, notamment sur des skis ou un snowboard, en raison de l'évolution du matériel et des profils de pistes devenus moins techniques, on constate que les pratiquants de glisse vont de plus en plus vite, au risque parfois de se mettre en danger et surtout de mettre en danger les autres. Raison de plus pour prendre les conseils d'un pro, en l'occurrence Xavier Cousseau, de passage à l'Alpe d'Huez avec son X-Speed Ski Tour. Bientôt 16 ans que le 10 fois champion du monde de ski de vitesse Xavier Cousseau organise le X-Speed Ski Tour, un événement qui allie vitesse et sécurité. J'ai monté cette animation pour permettre aux gens de voir leur vitesse et surtout de leur permettre de se rendre compte qu'on va beaucoup plus vite qu'on ne pense, mais que le plus dur c'est pas d'aller vite, c'est de savoir gérer sa vitesse et de savoir s'arrêter. La vitesse elle est de plus en plus élevée. En moyenne, un skieur, il va entre 60 et 70. Mais quand on ne sait pas justement gérer les notions d'arrêt, qu'est-ce qui se passe? Il y a des collisions. Une piste dédiée, ouverte à tous, pour tester ses limites tout en étant chronométrée. Deux oriflammes et une ligne bleue. On va le voir, il va arriver dessus, là, maintenant. C'est là où la vitesse est prise. À partir de ce moment-là, on se relève, on fait bien des grands virages pour freiner et on s'arrête complètement en bas à gauche sur la vitesse qui sera affichée. Ok, nickel. Voilà. Bon, allez, merci, c'est parti. Ah oui, là on peut aller tout droit, il n'y a personne qui traverse de droite ou de gauche, donc on peut aller à fond. Puis on sait que la piste n'est pas abîmée puisqu'il y a des règles pour freiner à la fin. C'est sympa à découvrir le monde de la vitesse, qu'on n'a pas toujours l'impression d'aller assez vite. Alors que je pense que relativement on va vite et on n'est pas souvent assez prudent. On ne fait pas de virage là, le principe c'est tout droit. Hein. On est d'accord. C'est pour ça que moi je le fais pas. Tu feras gaffe à droite, il y a quelqu'un... 79 74 71 Et là, c'est quoi l'objectif aujourd'hui? De battre notre record. 154,56 km/h. Sensation forte et amusement garantie, sans oublier la mission première du X-Speed Ski Tour, la sensibilisation. Quand on fait prendre conscience aux gens de leur vitesse sur une piste sécurisée, ils se rendent compte qu'il faut savoir comment on s'arrête et de dire que le casque, un choc sur la tête, et le casque va vous diviser de 30 à 40% les traumatismes crâniens. J'ai fait prendre conscience à beaucoup de parents que c'est bien de mettre un casque aux gamins, mais quand on skie, le danger, il n'est pas réservé qu'aux enfants. L'Alpe d'Huez qui se prépare aussi à accueillir le festival Tomorrowland Winter du 19 au 26 mars. La station sera privatisée pour accueillir les fans de musique électronique.